Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans une nouvelle VOD Pokémon, version noire 2. Le plaisir est à son paroxysme. Comme on dit en français véritable, nous étions laissés... Si je peux me permettre, sur de mauvaises ondes, avec ce Vaututrice qui nous a chié à la gueule, dans le sens où il n'avait qu'à être plus résistant et pas prendre de coups critiques. Mais bon, c'est une autre histoire. Est-ce que je peux les affronter, eux? Non, ok, on va vers le château enfoui. Vas-y, moi je fais comme... J'ai l'impression de revivre en fait cette version un peu de la même manière, quoi. Parce que c'est vraiment les mêmes coins au final. Mais bon, merci magicien de type sombre pour ton deuxième mois de sub, bien évidemment. T'as longtemps triché avec ton bonnet? Non, ça m'attachait les cheveux, bon, enfin monsieur. Monsieur, mais vous dites n'importe quoi. Non, jamais triche. Vous n'avez pas... On n'avait pas d'exemple de triche. Donc, j'ai raison. Le désert est une zone optionnelle. Y a rien. Oh, c'est plus le... Ah, c'est une infirmière. Ils ont mis une infirmière. Parce que là, c'était l'infirmière avant. Pour venir soigner tous tes Pokémon. Y a quelque chose à y faire ici ou c'est genre aux F-tiers pour le coup? Ou pas du tout? Juste pour savoir. Oh, le mélo. Oh, le mélo. En plus, c'est un bébé. Donc forcément, il va me donner 0 d'XP. Y a aucun intérêt à être ici. Tu peux skip en vrai. Ok, bon, bah on va se casser alors. Bah, franchement, si c'est aux F-tiers, on va pas juste faire un épisode dessus. Alors que bon, c'est pas comme si ça avait été la même zone qu'on avait fait sur le let's play précédent. Quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'a rendu confus. Non, c'est abusé, quoi. Ok, je vais te cogner. Je vais te cogner, je te jure. Je vais te cogner, je t'ai dit. Non, 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 il est pas confus, gros. Qu'est-ce que ça peut être chiant comme Pokémon? C'est vraiment des Pokémon de merde. Il va mourir tout seul en plus. Bon. Honnêtement, c'était un des plus beaux combats que j'ai fait de ma vie. Vraiment envie de crever. Gigi, tu vas me regarder droit dans les yeux et me dire que tu n'as jamais triché, tu vas me dire ça à moi. Mais Kishi, déjà, bravo pour tes 10 000 allopias jetés. Jetés in the wind, mais je vous le dis droit dans les yeux. D'ailleurs, économisez vos allopias, il y a la saison 2 de la cave qui va arriver, vous allez hurler, vous allez plus rien pouvoir ouvrir. Je te le dis droit dans les yeux, Kishi. Je n'ai jamais triché sur Pokémon en live. Je n'ai jamais triché sur Pokémon en live pendant un let's play de record pour ma chaîne YouTube. C'est vrai. Ah bah non. Et pour Arceus version platine? Mais c'est pas de la triche, Arceus version platine. Alors excusez-moi de vous le dire, non mais ouvrons le débat aujourd'hui. Et élevons même le débat, parce que là c'est n'importe quoi. Arceus, vous vouliez tous que je fasse Arceus. La seule manière de faire Arceus, d'avoir Arceus légalement, c'est via un event. Cet event qui ne peut plus être fait, c'est impossible. Donc nous avons émulé et simulé cet événement pour pouvoir avoir Arceus. Ce n'est pas de la triche. C'est tout simplement donner de l'amour à sa communauté et permettre d'avoir du contenu. Rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Géchant là par ici là, qu'est-ce qui se passe? Blablabla, bla, bla, la conjoncture, trop de travail, blablabla, bla, plus de visiteurs, blablabla. Ça a l'air d'être très bizarre. Ah non, je n'ai pas triché. Ah non, c'est pas de la triche. C'est pas de la triche. J'ai fait apparaître un événement qui était qu'on peut pas faire apparaître. Donc c'est pas de la triche. Donc, as-tu rentré un code pour Arceus? Je n'ai rentré aucun code. J'ai demandé au jeu s'il pouvait me mettre l'événement en tout bien tout honneur. Oh mes excuses, je n'ai pas vu que tu étais là. Je sais pas qui c'est, mais c'est quand même assez fou. Bienvenue à la Galerie Concorde, là où tout le monde s'amuse en théorie. Comme tu le vois, il n'y a absolument rien à voir pour l'instant. Juste une rue déserte. Mais vois-tu, j'en suis le propriétaire et je compte bien faire une route vers la gloire et la fortune. Cet endroit deviendra le carrefour des échanges mondiaux. Seul problème, je ne sais pas trop comment m'y prendre. Mais attends, réfléchissons. Tu es dresseur, n'est-ce pas? Tu as dû beaucoup voyager et au passage rencontrer du monde. 1. Tu possèdes un lieu désert. 2. Tu connais du monde. Mais c'est bien sûr. Tu pourrais m'aider, non? Reprendre la gestion de la galerie? Faites venir des gens pour moi? Ça te dirait? Non.
J'ai besoin de nouvelles énergies, tu comprends? J'ai besoin de toi. Non. J'ai besoin de nouvelles énergies, tu comprends? J'ai besoin de toi. Non. J'ai besoin de nouvelles énergies, tu comprends? J'ai besoin de toi. Non. J'ai besoin de nouvelles énergies, tu comprends? J'ai besoin de toi. Non. J'ai besoin de nouvelles énergies. Bon, il me fait chier. Voilà. Trêve de bavardage? Parlons affaires. Le mec, il force. Mais il a besoin de toi, Ludo! Wink, wink. Ton charisme va jouer un grand rôle dans la réussite de notre entreprise. Arrête, oh là, tu vas me faire rougir. Parle-moi donc un peu de toi. Première question. Tu n'aurais pas une expression bien à toi qui te rend reconnaissable entre tous les dresseurs du monde entier? Attention, ce message sera vu par de nombreuses personnes grâce aux fonctionnalités de communication. Choisissez-le avec soin afin de ne vexer personne. Oh là là, les SJW déjà. Il faut vexer personne, il faut pas dire des gros mots. Ouh, non, non, non. Et de communiquer votre enthousiasme à tout le monde, ok. Mon expression favorite, elle sera communiquée au monde entier. Je t'en prie, je t'en supplie. Mais ça rentre pas, c'est une expression, mesdames et messieurs. Je peux pas la mettre... c'est une expression, mesdames et messieurs. Donc, en 8 lettres... Si on peut pas... C'est plus un mot, quoi. Une expression... Moi, je pense que pour attirer des gens, plus qu'une expression... Moi, plus qu'une expression, à mon avis, c'est un mojo, c'est un art de vivre. Et je pense que pour attirer des gens ici, il faut tout simplement mettre les moyens. Donc... Je me permets. Mon expression favorite, c'est... Snap fuck. Voilà, pour Pokémon, évidemment. Ah ben... Oh, il me régale! Merci, Pondéis, pour ton prime. Et la version T aussi, c'est honteux! En effet, congruent, marquant, parfait. Deuxième question. Comment communiques-tu tes sentiments sous le coup de l'émotion? Oui, je sais, ça dépend, mais il doit bien y avoir une expression qui peut résumer tout ce qui te passe par la tête dans ces moments et qui serait comprise de tout le monde, si possible. Bien sûr. Alors là, gros... Alors moi, j'adore communiquer mes émotions, tout simplement, grâce... Je rappelle que je vais faire 30 ans. Hein. Exactement. Waouh! Tu as un véritable talent pour la com! Tu vas faire des étincelles! Bon, je résume. Merci, Copo. Merci, mon frérot. Ton slogan est « Snap fuck ». Et tu communiques tes émotions grâce à Chibrax. Tu as tout compris à la com. Compris, laisse-moi te dire que ça te ressemble. Et c'est ça le plus important quand on travaille dans les relations publiques, la sincérité. Et ça, c'est beau. 30 ans ici, hein, non, on n'oublie pas. Je suis père de famille. Rien qu'à dire ces mots, ton visage apparaît dans ma tête. Waouh, 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 bro. What the fuck, bro, bro, bro. What are you doing, bro, bro? Bro, t'es fou quoi, bro? Bro, taré. Le mec est en mode snap fuck avec ma grosse tête comme as. Il voit ma grosse. Le mec, il pense à Chibrax et snap fuck. Il voit ma grosse tête de chauve là. Wow, bro, bro! En ouf, le truc! Comme ça, pouf! Oh là, qu'est-ce qu'elle va me dire comme dinguerie? Monsieur, il est bientôt l'heure de votre prochain rendez-vous. Ok, j'ai eu peur. Aïe, je me disais bien. Bon, il faut que je file. Mais non, j'oubliais. Mes secrétaires, tellement fiables, je ne vous remercierai jamais assez. Je compte sur vous. Encore une fois, je vous confie les clés de ma chère galerie et de notre réussite. A plus tard, monsieur. Oh non, oh putain! Ça va être un banger. Je vais entrer dans une boutique et elle va lui dire bienvenue chez Snapfuck. Oh, je vais hurler, gros. Nous sommes à votre service, mais dites-moi, comment devons-nous vous appeler? Mon titre, il ne sera utilisé que dans cette vidéo. C'est mon titre ici? Oh là là. Appelez-moi le Mac. Merci pour le Prime. Merci Vortec. Merci Juna. Merci pour le soutien à la chaîne, évidemment. Soutien sans faille.
Oh non. Vu qu'on est dans le thème. Oh frère. Mais moi ça me fait rire, hein. Il me faut pas grand chose. Moi je suis heureux dans ma vie, les gars. Quel est votre titre? Step bro. Oh non. Oh mais gros. Wouh. Step bro. C'est charmant. Donc vous êtes à présent responsable de cette galerie. Cela fait peu de choses à gérer pour l'instant, mais nous comptons sur vous pour faire de cet endroit un lieu apprécié du monde entier. Mais bien sûr, je peux vous y vous présenter les différentes options pour y parvenir. Venez me voir quand vous pensez avoir fini vos préparatifs. Ok. Bienvenue à la galerie Concorde. Ce lieu se développe en interaction avec les gens, d'accord. Attends, moi je veux dire. Secrétariat de Step Bro. Oh fuck mates. C'est le secrétariat de Step Bro, gestionnaire de la galerie Concorde. Mais attends, je peux rentrer ou pas? Oh non, vas-y dis-moi. Oh c'est une dinguerie gros. À votre service, Step Bro. Des questions? Oh non. Oh gros, mais c'est mon titre. On m'appelle Step Bro, gros. Partout. Oh, j'espère qu'il va se passer des dingueries. Où sommes-nous? Quel est mon rôle? Comment puis-je améliorer la galerie? Comment puis-je attirer des visiteurs? Inviter Kezako. Guité Kezako, c'est quoi cette pièce? Comment fonctionne les boutiques? Ok. Quel est mon rôle en tant que Step Bro? Assurer l'essor de cette galerie ne sera pas de tout repos. C'est la raison de votre recrutement par notre cher propriétaire. Votre mission, si vous l'acceptez, est simple. En faire un lieu de loisirs apprécié du plus grand nombre. Je n'en doute pas. Vos secrétaires sont là pour vous assister dans cette tâche. Demandez-leur ce que vous voudrez. Non mais c'est trop Pokémon. Pokémon, c'est trop gros. C'est vraiment trop. À votre service, c'est bon. Oh la vache. Oh, j'ai tout compris, ouais. Très bien, je vous souhaite le meilleur des réussites. Merci. Donc là c'est un peu mon bureau, gros c'est... Mais gros c'est mon bureau de Step Bro, frère. Je peux pas m'asseoir? Oh frère, je peux pas m'asseoir dedans, c'est trop chiant. J'ai un PC. Ok, j'ai la totale. Oh, je chiale. Mais imaginez mes secrétaires, imaginez, elles viennent me rendre visite, et elles sont là, et elles peuvent pas bouger, tu vois. Et elles me disent, oh non, Step Bro, I'm stuck. Non, I'm stuck under the table. Oh non, what the fuck, Step Bro. Ok. Et donc tout ça là, c'est vide. On va attirer des boutiques et tout. Non mais alors, attends, il y a moyen que ce soit un banger. Le Step Bureau. Ok. Quel empressement, Step Bro. Je crois que vous devriez d'abord écouter toutes les explications sur le fonctionnement de la galerie avant de demander mon aide. Ok. Pour faire à fuir la foule, il faut tout d'abord disposer de lieux qui pourraient l'accueillir et qui l'intéressent. Pour faire court, des boutiques. Pour lancer une boutique, rien de plus facile. À inviter les gens de passage ayant un profil d'entrepreneur. Voyons, ah, voilà quelqu'un. Il semble disposé à lancer une boutique. Approchez-le et choisissez inviter. Ok. C'est Janus. Ufufu. C'est nouveau cet endroit. Il n'y a pas encore de boutique. Ah ah, c'est l'endroit idéal pour réaliser mes rêves les plus fous. Je crois pas si bien dire. Oh, je t'invite. Mon rêve pour cette galerie, ce serait qu'on y trouve des objets rares qui épatent tout le monde. Ah, tu m'étonnes, nous aussi on aimerait des objets rares là-dessus. Ufufu, merci. Ok. C'est une brocante, il a ouvert une brocante chez Snapfuck, mesdames et messieurs. On va retrouver ceux qu'il faut. Ok, superbe. C'est pas mal en vrai. Est-ce qu'il y a moyen de faire autre chose? Félicitations, quelle belle boutique nous avons là. Passons à la deuxième étape. Faire affluer les visiteurs. C'est le moment de présenter la boutique à un premier visiteur. Voyons. Ah, un visiteur! Approchez-le et dire guider. Ok. Ok. Attends, blanc. Toudoum! C'est nouveau cet endroit. Je me demande s'il y a des boutiques. Ouais, il y en a pas mal. Une. Je veux de la nouveauté. Vous ne coteriez pas une boutique qui viendrait d'ouvrir? Mais. Janus Collection. Vous voulez vous guider sur... Oui, bien sûr. Impec, je vais aller voir, ok. Valeria arrive à Janus Collection. Janus Collection.
Step Bro, Snapfuck. C'est la Janus, Janus Collection, quoi. C'est vraiment... Désolé, mais ça, c'est plus drôle qu'un spectacle de Jarry. Non, mais vraiment. Vraiment, hein, c'est... Oh, la vache, quoi. J'adore cet endroit. Vous avez, vous avez enchanté Valéria. Pas de souci. Janus Collection est plus populaire de 40 points. Parfait. Mais tout ça, c'est le destin. La popularité de la Galerie Concorde a grimpé de 40 points. Bah, superbe. Félicitations, votre premier visiteur a fait augmenter la popularité de la visite et au passage, celle de la galerie. Élevez-les au maximum pour faire de cet endroit le lieu le plus couru du monde. En utilisant les fonctionnalités de communication, d'accord, d'accord. Ah, mais ça, on peut pas. Pour notre part, un restaurant est à disposition de trouver un bureau près du quartier. Bonne chance. N'hésitez pas à venir nous voir si vous avez besoin d'autres informations. Ok. Bah, écoute, en vrai, on est pas mal... Je rentrais bien dans ce cet endroit. Alors je vais aller voir si on peut un peu discuter un petit peu. Vu ce qu'il me dit. Ah ah, parfait, je sais quelle boutique il vous faut. Ah ah, j'ai même la formule magique. Brocante, ouvre-toi avec ça. La Galerie Concorde veut... D'accord, ok. Continue comme ça. Oh, continue comme ça, Step Bro. Ok, ça marche. Bien. Que puis-je pour vous, Step Bro? Eh bien... Oh, je peux changer de titre. Changer d'expression favorite. Et changer d'acte. D'exclamation. Parce qu'attends, on a mis quoi? L'expression. Ah oui, c'était Chibrax. On se renseigne sur la galerie. Jeune galerie, il faut 260 points. Ah ouais, c'est énorme. Votre service, Step Bro. Ok, thank you. Bah, c'était un beau moment dans les locaux de Snapfuck. Et bah, franchement, très très drôle, très sympa. Par contre, est-ce que lui, je peux acheter des trucs ou pas? Bonjour, Step Bro. Bienvenue dans ma boutique Janus Collection. Tu trouveras de tout. D'accord. Masse informe. Une masse informe trouvée dans le sable. Ok. Et une boîte géante. Ah, dis donc. Tu dois faire fortune avec ta boutique, hein. Oh, c'est une meuf. Ah non, c'est Janis. S'il vous plaît. Screenez ça, ça n'a aucun sens. Je me fais agresser par Janis qui me dit Snapfuck. Janice était dispo, moi aussi, et je l'ai rencontré sur Snapfuck. Quelle chance de te croiser, Step Bro. Je suis ta plus grande fan, tu sais. Alors franchement, je vais l'inviter. Mon rêve pour cette galerie, ce serait qu'elle fasse battre le cœur des visiteurs. Vas-y, ouvre ta boutique. Snapfuck. Merci. En fait, c'est comme si une expression, ils veulent le dire tout le temps. Snapfuck. Hasard, Janice, loterie. Oh, nickel, une loterie en vrai, ça c'est stylé par contre. Je vais quand même aller voir ce qu'elle nous fait, Janice. Oh, attends, il y a un man. Attends, bro, attends, bro. Quelle chance de te croiser, Step Bro. Je suis ton plus grand fan, tu sais. Franchement, je vais l'inviter. Mon rêve. Les Pokémon les plus beaux, vas-y, ouvre ta boutique. Snapfuck, merci. JLN Beauté. Ah oui, elle a pas vraiment le profil. Mais propre, ok. On commence à voir des gens. On commence à voir de la tic-bou. Snapfuck. Oh, bonjour, Step Bro. Bienvenue dans ma boutique Hazard Janice. Premier prix, une Master Ball. Oh, oui. C'est combien? Voici les résultats. Talin, talin. Bien joué. Tu as gagné le prix numéro 10. Un jus de baie. C'est payant, cette merde, ou pas? Chibrax. Merci, Step Bro. Bah, de rien. Snapfuck. Oh, bonjour, Step Bro. Est-ce que je peux le refaire ou pas? Bah, ouais. Ah, non, c'est tous les jours, d'accord. C'est une fois par jour. Bah, sinon, on serait fumé, quoi, je pense. Ah, il va me proposer Snapfuck. Oh, bonjour, Step Bro. Bienvenue dans ma boutique JLN Beauty. Je rends les Pokémon plus beaux. J'ai envie de demander un petit soin. Touche légère. Oh, mais c'est super cher. Bah, attends, vous êtes. Mais monsieur, vous êtes hors de prix. Chibrax. Bonne journée, Step Bro. Bah, pas de soucis. Attends, quoi? Excusez-moi. Et qui c'est qui se m'a hurlé Chibrax dans... J'allais partir. Chibrax. Chibrax. Attends. Mais pourquoi les gens... Pourquoi? Sans ça, Chibrax. Oh merde. Reviens, Chibrax. Oh non, c'est trop là, c'est trop. On est à Méanville avec le banger en OST. C'était un super arc de ce Pokémon, les gars. Je tiens quand même à le signaler. Je me suis régalé. Croise plein de gens pour permettre à de nouvelles boutiques de s'ouvrir dans la galerie Concorde. Ouais, bien sûr.
Ok, oh, mais c'est là où il s'est passé une dinguerie dans la... Il y a la grande roue, normalement, à droite. Ça, je sais que... Ah, mais ça, on pouvait pas rentrer dedans, si. Ah non, c'est l'arène, c'est l'arène. Ben oui, je suis con. Je pourrais aller faire l'arène directement, mais je vais pas le faire. Oh, le meilleur avec les montagnes ours... russe, c'est qu'on peut hurler. Ok. Quel homme, même au parc d'attractions, il ne lâche pas sa guitare. On sent qu'il adore la musique. Ok. Là, 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 là. Qu'est-ce que... Ok. Là, vraiment, on voyage. Hein. Vraiment, c'est superbe. Alors, attends. J'arrête pas d'éternuer. Oh, putain, le Covid. Ça veut dire que c'est déjà le printemps. Et hey, toi, là, le microbe. Quoi? C'est moi que tu mates comme ça, avec tes yeux de Bargantua? Tu cherches la bagarre? Tu veux vraiment te mesurer à la Miss Léopardus de Méanville? Tu peux sortir ton mouchoir. Oh, oh, mollo, mollo. Tu sais à qui tu parles? Tu parles à Step Bro. D'accord. Chibrax et tutti quanti. T'as pas froid aux yeux, toi, tu vas le regretter. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Un combat est lancé par Fillette Clémence. Oh la vache. Qu'est-ce qu'elle m'envoie? Oh là là, dis donc. Léopardus, rien que ça. Ben. Ouais, je pense que je me chie dessus. Est-ce que je lui mets une roulade dans sa mère ou pas? Non, vas-y, Nice recharge. Parce qu'il va commencer. Une tourmente. Et boum. Un peu de speed. Prochain coup, je fais un critique, regardez bien. Ah, je suis tourmenté. Bah, tu sais quoi, je vais mettre une roulade. Je te pisse dessus. Hop, roulade. Bon. Eh ben, monstrueuse, hein. On prend le niveau 24. Ah ouais, Aldé qui va prendre quelques levels aussi. Elle voulait pas qu'on monte ensemble dans la grande roue? Mais comment j'ai fait pour perdre? Tu sais que tu commences à me bassiner, toi. Me bassiner? C'est la phrase n'a aucun sens dans le contexte de la discussion. Si c'est comme ça, il y a qu'une solution. On va voir qui c'est qu'on a le plus dans le bide. Toi et moi, on va monter dans cette vieille grande roue. Et le premier qui flanche a perdu. T'as capté? Alors c'est parti. Oh. Petit rendez-vous. Bah alors, pourquoi tu dis rien? T'as les foies? Ok, Marty McFly. T'as les foies? Personne ne me dit que j'ai les foies. Oh. Step bro and step sis. In the big wheel. Oh, ça va lâcher. On va s'écraser. Papa, maman, au secours. Waouh. On a passé un moment intime. Quoi encore? Arrête de me jeter ou ça va mal finir. Bon, ça va pour cette fois, je te laisse filer. Mais la prochaine fois, tu mourras pas aussi facilement, alors fais gaffe. Et si je repars, elle veut se la redonner? Ah non, non. Pas trop à quoi ça sert ce délire-là. On est d'accord que là, ça menait vers le endgame. Ah non, je sais plus si c'était là. Sur la version d'après. Enfin bref, ça y était pas en tout cas ça. Bon, challenger, je suis désolé, mais le champion est absent pour le moment. Mais je sais où il est, tout près de l'entrée du parc. Elle devrait être dans le bâtiment abritant les montagnes russes. Donc il y a une autre arène? C'est plus celle-là? Circuit exciting et ultra juice. Ancienne arène Pokémon. Ah oui. Bah. Pour démarrer un bon pied, il faut d'abord monter dans les navettes. Une fois sur la terre ferme, pardon. Toujours affronter des mecs ou pas là? D'accord. Donc y a rien en fait ici. Il faut que je la fasse. Je suis obligé de la faire cette arène. C'est ça que vous m'avez dit. D'accord. Donc du coup je vais faire deux arènes. Ouais, bon, on va voir. D'accord. Y a pas de navette qui vient ici? Si. Oh! Il y a quelqu'un dedans.
Alors, comment as-tu trouvé ces montagnes russes? Mais c'est pas des montagnes russes. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est... Non, non, mais n'importe quoi. Des montagnes russes. Il n'y a aucune montagne, c'est du plat, là. C'est des auto-tamponneuses, à la limite, mais... Richard Roland. Tiens, tiens. Je connais The Biberon. Nous a bien aidé, notre ami The Biberon. Bon, bah, écoutez, on va le laver, hein, roulade. Je m'envoie le petit temps de choc, ça va être très bien. Ah. Mort. Oh, la cage éclair, à ton âge quand même, il s'agirait de grandir. Du coup, ce qui fait qu'on va devoir faire cette arène obligatoirement, et donc l'autre arène aussi, donc il y aura deux arènes à faire. Très spécial, ceci. On verra. Allez, prends sa speed. Oh non! Oh non, bébou! Je vais te cogner. Je veux, il y a un bête, je le vois pas. Non, j'ai pas mis de bête encore. S'il y avait eu un bête, il serait affiché ici. Puisque maintenant on a l'overlay aussi qui affiche les bêtes. Parce qu'on est à la pointe de la technologie, vous le savez ici. Donc on peut faire le bête après. Donc là, il y a vraiment un champion d'arène. Du coup. Ça, c'est quand même assez fou. Est-ce que j'oublie quelque chose pour coup de boue? En vrai. Oh, pardon, j'ai loqué. En vrai, je vais pas le garder. Allez, ça dégage. Par contre, vu que c'est du pur électrique, mesdames et messieurs, ce qu'on va faire, c'est ça. Et je pense qu'on peut foutre Aldé pour les dresseurs qui prennent un petit peu de... Un petit peu de poil de la bête, si je puis me permettre. Hop, on aura de la potion anti-parrain. Voilà. Ah, oh, il me reste deux popos. Attends. J'ai de l'eau fraîche. Voilà. Oh, ce sera très bien. Oui, mais tu vas pas affronter, elle va juste retourner. Là. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas de bête à proprement parler à faire ici. J'avoue, ils sont fait chier à faire une autre arène. Comment ils justifient une autre arène, là? Oh, si, c'est les montagnes russes, pardon! Qu'est-ce que j'ai dit? Waouh! Mais la vache, le Silver Star! Oh, la violence! Très, très fort, là, le Silver Star. Oh, j'ai été de mauvaise langue. J'ai dit qu'il n'y avait pas de montagnes russes. Après, pour ma défense, attends, ce ne sont pas des montagnes russes, hein, de base. Ouais, pas très, très beau, quoi. Ne nous mentons pas. On va monter un peu Aldé ici, hein, je pense. Ça va être son moment. Oh, l'énergie! Désolé de te dire, l'énergie, que malheureusement, tu vas pas faire long feu face à Alderiator. Un petit tunnel. Hop! On creuse. T'as des craque-noix dans le désert qui donnent l'Ibégon. Ouais. Je suis pas très chaud pour l'Ibégon, moi. Ça me... Je sais pas. C'est très bien, hein, mais ça me fait pas bander, quoi. Putain, elle vient me paralyser. Ah non, c'est sport, coton. J'ai eu peur. Ah, une petite morsure, on n'en parle plus. Oh, le bélier. Loupé. Ouais, mais l'impudence, c'est un peu tard, là, parce qu'il n'y a plus personne, en fait, si tu veux. Ça évolue quel level, Aldé? Parce qu'Aldé, on est d'accord, il a deux évolutions. Ça doit évoluer niveau 24, 26, 27, 20, 45. Il a escroco et après croc horrible, non? 34! Oh, ça évolue tard! Oh, le cauchemar. Oh, tu cherches le champion? Désolé, mais elle est partie dans la nouvelle arène. Pour te dédommager d'avoir fait tout ce chemin, tiens. Waouh. Oh, bah, vraiment, alors là, mais fallait pas, hein. D'accord. Il a raté le looping, non, je l'ai pas signalé, ce looping était ridicule. Désolé de vous en... Je veux dire que ce looping était très spécial. Voilà, c'est ciao. Bon, on se casse, il y avait rien à faire ici. Je suis passé au centre Pokémon, par contre j'ai vu qu'il y avait un peu de grabuge par là. Je vois qu'il y a du monde devant cet énorme bâtiment. On va aller voir ce qui se passe. Ce qu'il se passe. 29. Ah, 29 et 40, ouais.
Ouais, quand même, hein. Bon, après 40, ça va. C'est pas... C'était Trioxyde, là, qui évoluait niveau 179, là. C'était cauchemardesque. Il évolue niveau 64, je crois. Ou... Ça, c'est vraiment chiant, quoi. Petit son rouge, histoire d'aller casser un tête juste après. Ah, petits échanges de tessons, ouais. Attends, par contre, en ça, je vais aller voir, parce que je crois que j'ai pas acheté grand chose à mine de rien depuis le début de notre aventure. On s'est pas vraiment régalé. Est-ce que je prendrais pas un peu des super potions? Posséder 0. Après, j'ai que 47 000 aussi, tu vois. Voilà, tu vois, ça monte très vite. Je vais en prendre 10. Voilà, ça servira toujours. Super repousse. J'en ai combien? 0. Voilà, j'en prends... Franchement, en vrai, j'en prends 20. Ça servira toujours. Voilà. J'aurai de toute façon des petits trucs à vendre, hein, pour la prochaine. Après, Scroco, ça fait le café le matin. Ouais, clairement. Tous les matins. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la championne, j'imagine. Métro de combat à grande vitesse. Ouais. L'engrenage du métro, c'est un endroit génial. On peut faire des combats Pokémon dans le métro. Mais attention, car les chefs du métro sont là pour vérifier tes aptitudes. Ils sont vraiment costauds. Ce sont les meilleurs dresseurs du métro de combat. Putain, je me souviens plus de ça. Oui, d'accord. Je vais être avec toi. Mon nom, c'est Echo. Je suis sûr qu'on fera un duo gagnant. Plus fort que le chef du métro, d'accord. On l'avait fait, ça ? Je conviens que se battre dans un lieu pareil est quelque peu irrégulier, mais sortir de sa routine peut être aussi un moyen de découvrir de nouvelles techniques de combat. Shamsin, as-tu quelque chose à ajouter? Bien sûr, respecter le règlement, la sécurité avant tout. En route pour la victoire, attention à la fermeture des portes. Oh. Je me souviens pas du tout de ça, moi. Il y avait ça, la version d'avant. Oh, stylé par contre, leur costume. Les chefs du métro, là. Ouvrifière et géolite. Ça va se faire one shot encore une fois, on va plus en parler. Ah, par contre, j'ai... Ouais. J'ai aldé. Un petit tunnel pour se cacher, quoi. Parce que là, on risque de prendre Bagdad, quoi. Oh là là, trop fort, il a fermeté, par contre. Imagine si j'avais eu intimidation, quoi. Ça marche du coup en 2v2 si j'élimine un Pokémon. Prudence prend le relais. On est d'accord. Allez, ça prend l'XP sans rien faire. Un petit tunnel. Et voilà le bouffon. Oh les dégâts sont monstrueux. Bonsoir à tous. Bon, après, je me permets. On va prendre Moustillon. Oh, il s'est fait flush. On est vraiment rentré chez lui, quoi. Qu'est-ce qu'on lui met à une petite nitro-charge? Ah, belle gifle, ouais. Très belle gifle. Donc, j'imagine que Echo, ça doit être un personnage récurrent parce que, vu qu'il a un Lianaja là. C'est pas... Vu que c'est un des trois starters, il doit y avoir une dinguerie avec ça, quoi. Allez, ciao. Bon, j'avoue que je n'ai rien branlé, hein. C'est Echo qui a carry le... Qui a vraiment carry le fight, hein. Oh, on a été meilleur, ouais. Ouais, on a été meilleur. Fais attention à toi, ouais. Allez, ça dégage. Il s'appelle Chamal, le mec. Chamal. Bravo. Bon, Pokémon et vous, quelle combinaison. Moi, Shamsin, je viens de subir une belle défaite, mais ce fut un vif plaisir. Trop bizarre, le man. J'espère que nous pourrons recommencer de telles parties à 4 rapidement. Oh oui, 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 je danse la vie, je chante la vie, oui, 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 la prochaine fois que vous monterez, surtout, venez nous voir. Sur ce, en voiture. Eh ben merci, merci à toi, en vrai. Merci, Echo. Quelle force. Ils ne sont pas chefs pour rien, mais j'aimerais bien m'entraîner pour pouvoir les affronter sans qu'ils retiennent leur coup. Encore merci, Gigi. Tu mérites bien une récompense. Et qu'est-ce que tu me fais, Echo? Qu'est-ce que c'est que ça? Magneto versus. Ok. Avec le Magneto versus, tu peux enregistrer les combats avec tes amis ou dans le métro de combat. Encore merci pour ton aide. J'ai adoré me battre à tes côtés. J'espère pouvoir recommencer dès que possible. Salut. Oh, wow. Ouais, une petite partie à 4.
Un petit foursome. Ok, c'est good. Donc, on va aller relever notre ami Mascaïman. Et retournant à l'arène, du coup, normalement, on a accès, je pense, à l'arène. Si on suit l'histoire. Donc, ça doit être du Pokémon électrique, encore une fois, j'imagine. Là, on a Papex. Là, on a Papex, on y va au talent. Non, je vais pas prendre la bicyclette parce que j'aime trop la musique de... Ici, j'aime trop la musique. Pardon. Qu'est-ce qui est marqué sur le petit panneau? Arène de Méanville, champion Inésia. Sa beauté est éblouissante. Nouvelle arène. Alors, ciao. C'était... Oh, mais c'est une boîte de nuit. Yo! Oh ouais, c'est une sacrée surprise. Cette arène est un éblouissant podium pour défiler de haute couture. Mais avant toute chose, voici nos fraîches peut-être, évidemment. Ok, Cat Jam in the chat, man. C'est violent. Gigi a mis l'objet aux fraîches dans la poche médicaments. Waouh. Dans cette arène, c'est bien simple. Il suffit d'avancer tout droit et d'affronter des modèles sur le podium. Tant que j'y pense, les Pokémon de type électrique sont faibles face aux capacités de type sol. Oh, par contre, il faut bien faire attention aux Emolga. Ils ne sont pas sensibles aux attaques sol, eux. C'est vrai qu'il y a Emolga. Cat Jam, man. Alors. Maldé, nanana. C'est chiant parce qu'on a Ludocario quoi qui va se faire casser la gueule s'il y a de l'attaque vol avec Emolga. Ah, j'aime bien ça. Allez, s'il te plaît, pas d'Emolga, plutôt Pokémon. C'est un canon qui m'attaque. Elekid. Ok. Je vois que tu veux prendre par les sentiments et me sortir ce bébé Pokémon. Deuxième génération. Très peu pour moi. Je vais lui casser la gueule. Oh, le mur lumière. Moi, je me cache dans le sol. Vous voulez qu'on fasse une prédiction? Ok, ça marche. Donc, je vais faire une prédiction. Hop, c'est parti. Commencez la prédiction. Est-ce que je fume cette arène? Oui. Non. Je vous laisse une minute pour voter. Puisque ça va être sûrement le temps que je vais mettre à... Arriver jusqu'au champion. Qu'est-ce qu'il veut? Embargo? C'est quoi ça, embargo? C'est ténèbres. Alors, empêche l'ennemi d'utiliser un objet tenu et son dresseur d'utiliser un objet sur lui. En vrai, Osef. Franchement, Osef tire. Osef d'embargo. L'énergie, parfait. Niveau 27. Oh, mais en plus, je vais prendre masse XP. Et ciao, l'énergie. Ça joue la cote? Ça joue la cote. 80% disent oui. 19. 20 maintenant sont sur, sur non. Ça joue la cote. Les cotes s'affichent pas, par contre. C'est dommage. J'en parlerai à Serra. Je sais pas pourquoi. Mais parce que là, la cote actuellement... la cote sur moi, oui, elle est à 1,23. La cote sur non, elle est à 5,39, quoi. Elle est quand même... elle est là, quoi, cette cote, tu vois. Elle mérite d'exister. Ok. Attends, ça s'appelait Canon Tesla, vraiment, ou pas? Ou je suis en train de rêver, là Est-ce que j'ai battu une bagnole de... j'ai battu une bagnole d'Elon Musk, là. Bravo, bravo. Ok. Yo. Un nouveau canon. Ah ouais, ouais, vraiment. Waouh, super. Et tiens. Oh, t'as bien. Are you ready? Et tu es un dresseur avec du style? Vas-y, surprends-moi. Je vais te surprendre. Parce que je vais te mettre, je vais te surprendre. Je vais te surprendre, t'entends? Canon frime. Très bien. Je vais te faire frémir, moi. Tu vas voir. Bon, on en profite, hein, que Mascaïman soit son prime ici. On va lui faire évidemment prendre tout ce qu'il faut. Ok, ok, bah bien joué. C'est bien vu de monter sa défense spéciale. Là. C'était vraiment ce qu'il fallait faire, hein, je pense, sur ce move. Oh non. Ah, le bâtard.
casse les couilles par contre. Il va me faire un cage éclair, je vais péter un plomb. Oh non, il fait sport. Il est con, vraiment il est con comme une table, c'est parfait. Parce que je sens qu'il va appeler Emolga Pataki là juste après. Hop, nickel. Allez, et boum, monsieur. Ah non, Zébibron. Ah franchement, je change pas. Même si elle a baissé ma speed, c'est pas grave. Zébibron, de toute façon, il va faire un nitro charge, il va jouer avant moi, quoi qu'il. Osé. Il fait poursuite. C'est osé. C'est osé de faire poursuite, hein. Surtout sur un Pokémon comme Mascaïban. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Ah boum, c'est bon, il est mort. Ah là, il se fait one shot, là. Ah bah là, il y a pas de monde où il résiste, hein. Ah bah oui. Mais les gars, prudence, prudence. Gigi, tu comptes regarder le débat Mélenchon versus Zemmour? Ah bon, il y a un débat Mélenchon versus Zemmour? Bon, je regarde pas la politique, moi. Je m'intéresse pas à la politique. Le seul truc que je connais de la politique, c'est quand ça sort en top tendance Twitter. Pas mon créneau. Ok, c'est pas terminé. Et ça repart. Impudence, non, c'est prudence. Le show to... Are you ready? Show touche à sa fin, mais je dois vérifier que tu mérites de rester pour le grand final. Ok, ça marche. Merci les variants, merci beaucoup pour ton sub gift. À croco d'ailleurs. On est dans le thème. Ok, un autre Zébibron. Ah, franchement, pas mal. Pas mal, les gars. Donc, du coup, les stats. Excusez-moi parce que ça a dû se terminer pendant que j'étais en plein fight. Mais je suis donné gagnant à 82% sur cette arène. La cote, si je perds, est à 5,46. Il y a un billet à se faire, messieurs, dames. Voilà, je tiens à le dire. Il y a moyen de se mettre pas mal. Le Ariuridi m'a mis bien. J'avoue qu'il est sorti from nowhere, mais il est stylé. Il m'a mis très très bien, moi aussi. Hop, je me cache. Et juste après, bah t'es mort. Eh ouais, mais gros, mais là t'es mort. Boum. C'est terminé. C'est juste terminé, c'est du one shot. Hop, prudence. Ok. Et les kids. Ah, l'erreur. Oh, l'erreur. L'erreur d'appeler les kids, grand. Ouais, mais là c'est foutu pourtant, les kids. Ouais, mur lumière, pas mur lumière. Bon, pas les coups, frère. Ok, c'est parti. Y'a LA Cable dans cette version ou pas, les amis? Okay. C'est bon, niveau 25. Franchement, mon LD est plutôt pas mal. Putain, mais il va prendre 15... Oh, Ventardis! Est-ce qu'on la prend, Ventardis, ou pas? Oui, y'a. Ok. Ah, parce que LA Cable, c'est fort. Mais putain, à la place de quoi, quoi? Mon Tardis, c'était mon move, quoi. C'est nul, mais bon, allez, on le prend pas. On avait déjà fait des gameplays à base de Ventardis. J'étais à mon prime à ce moment-là, mais bon. Ah, c'est risqué après. Ah, oui, bien sûr, c'est très très risqué même. Mais c'était un peu mon gameplay, hein, dans Platine, hein. Avec le Luxio. Elle est là. Elle a un shield ou quoi? Oh, la frimeuse. Oh, la frimeuse! On est parti. Bon, si elle appelle Emolga dès le début, je casse mon tête. C'est parti. Inesia, face à moi! Oh, l'idole. Oh la madame, excusez-moi. Putain, commence avec Emolga, je vais péter un peu. Et du coup, vu que je suis seul, je vais me faire casser la gueule. En vrai, Ted me semble tout indiqué. Comment ça? Avec... Non, mais je parle d'attaque vol. Non, mais je parle pas d'attaque électrique avec Emolga. Si elle a des attaques vol avec, c'était plus par rapport à ça. Bélier, voilà. Je pense que Bélier, ça fait un truc. Oh, c'est nul. Oh, c'est coche. Mmh.
Je vais mettre cage éclair. Le coton là dans son cul. Voilà, parfait. On va faire comme ça. Maintenant, on change de Pokémon, gros. Ça, c'était ma méthode américaine. Maintenant, je remets Aldé. Est-ce que je mets Aldé et je fais de la morsure? En fait, j'aimerais qu'Aldé prenne l'XP. Ça pourrait être pas mal, quoi. Ouais, niveau 28. Alors, je prends Ludocario et je lui casse la gueule. Je pulvérise. Après, s'il a une attaque vol sur... Non, c'est bon, je vais attaquer. Je hurle. Eh ouais! Ah, j'avoue, je pouvais faire roulade avec Moustillon. Putain, j'avoue qu'il y a un monde avec roulade. Ah, c'est beaucoup plus joli, roulade. Venez, on tente la roulade. On tente la roulade ou pas? On est beau jeu? Oh, vas-y, je le tente. Oh, je le tente. Oh, je le tente. C'est risqué, hein. C'est quoi, ça a changé clair? Oh non! Oh mais non! Mais t'as pas le droit! Oh c'est chiant! Oh là on se fait chier là! C'est... Eh ouais le bouffon! Hop! Eh ouais le bouffon! Voilà! Voilà le connard! Oh le petit bélier ça tue pas. Coup critique. Évidemment. Bien sûr. Bien sûr. J'ai envie de tout casser. Vraiment là je suis à deux doigts de tout exploser. Bah du coup là c'est fait chier là par contre. Là ça fait. Là on est dans un moment. J'ai pas pris de rappel hein. Ah. Bon, on va commencer les roulades hein. Dès maintenant. Parce qu'elle va utiliser une hyper potion évidemment. On compte sur toi. Oh la cage éclair de merde. C'est à chier, je vais péter un plomb. On va être paralysé pendant 15 ans. Pour les dégâts qu'il me fait. Ah mais en fait ça attaque et ça change, c'est ça. Ah d'accord. Ah, j'ai pas de rappel hein, donc hop ça va partir en eau très très fraîche là directement. Mais tu es paralysé. Tu es paralysé, mon frère. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est un truc de fou, non? Normalement, quelqu'un de paralysé, il est paralysé, comme son nom l'indique. Il me casse les couilles, hein, cette histoire. Oh là là. Bon, alors attendez. Attendez, je vais m'énerver un peu. Hop. On va monter un peu la speed là parce que je vais craquer mentalement. Oh le cauchemar quoi. Le cauchemar en cuisine. En plus elle a que deux Pokémon du coup. Hop, on va augmenter encore la speed évidemment. Voilà, t'es paralysé le bouffon, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, j'ai dit ouais. Voilà, exactement. Et je remonte encore ma speed et ensuite on va discuter. Voilà. Tu dégages. Ah, la A3? Ah, A3, d'accord. Ah, bah parce que je sais pas, elle faisait change cul là et chaque fois ça tapait avec l'énergie. Voilà. Bien sûr que non, je vais pas changer.
C'est l'énergie là. Est-ce que j'enlève? En fait, j'ai envie d'enlever, j'ai envie de partir sur roulade. Je te jure que j'ai envie de faire une dinguerie avec roulade. Parce que là, c'est gagné, tu vois, techniquement. Mais j'ai envie, pour le bet, pour les gens qui ont parié sur ma défaite, de tenter des moves un peu. Donc, voilà, c'est un peu plus de suspense que... Changer clair, c'est à chier. C'est vraiment, c'est de la merde. Oh, elle a un Zeblitz. Ah ouais, niveau 30. Ah ouais, mais ça, j'avais pas prévu ça. Parce qu'en fait, bah oui. Et j'ai acheté des super potions. Et en vrai, c'est, j'ai bien fait d'acheter 10 super potions. Ouais. Je vais me faire perma-para, quoi. C'est ça le problème. Ouais, on va se refoutre à fond. Ouais, mais j'ai envie de tenter, quoi. C'est pas faire que pour ceux qui ont bet win. Oui, bon, écoute. On a le droit de voyager un petit peu. Ah, il a fait vite l'attaque. J'allais dire parce qu'il est quand même plus rapide que moi. Mais en fait, c'est chaud. Il a vite l'attaque. Oh, nique ta mère. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Ça suffit là. Ça suffit les conneries. Hein. Non, c'est pas stable, c'est du feu. C'est zéro dégâts. Tu es ridicule. Ah, c'est bon. Comment ça, le retour du gameplay item? J'ai jamais eu un gameplay item. Ça, c'est quoi? Vous êtes des jaloux. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, c'est gagné. Même s'il me tue là, c'est gagné. Eh les gars, c'est gagné, bien sûr que c'est gagné. Ah, tous les jours que c'est gagné. Qu'est-ce qu'on prend bon, c'est gagné les gars, arrêtez un petit peu. Oh là. Je vois que vous avez peur, mais les gars. Bon, ça c'est chiant par contre. Là vraiment, on commence à nous emmerder là. Son truc de paralysie là. Mais arrêtez de paniquer, c'est complètement gagné quoi. Bon, alors comment dire? Changer clair, ça fait zéro dégâts. C'est perdu. C'est gagné, pas de panique. Je vais péter un plomb, moi il est paralysé. Sale clébarde. Je vais craquer, hein. Je vais vraiment craquer. Full cracking. Voilà le bouffon. C'est gagné. Allez. Pétanique en charge. On va mourir. Allez, c'est gagné. Je vous avais prévenu, hein. Ça va, vous? C'est quoi jus de B? 20 PV un Pokémon, ah ouais, violent hein. Les gars, c'est gagné. Les gars, arrêtez de me parler dans le chat, c'est gagné tous les jours. C'est juste, ça m'énerve qu'il fasse son gars qui est paralysé, machin et tout, alors que, tu vois. Ah non, mais c'est vrai que c'est chiant, quoi. C'est vrai que c'est chiant. C'est gagné, hein. Pas de panique. Hop. Voilà le bouffon. Ouais, c'est quoi? Je vais même changer, regardez ce que je vais faire. Je vais pas le respecter, ce mec-là. 2 hits, Ludo était dead. Oui, bien sûr, ouais. Mais vous êtes... Franchement, vous êtes des rageux, le chat. Je vous ai dit que c'était gagné, mais by far, dès le début. Regarde ce que je fais. Hop, petit bélier. Hop. Allez, bah nique ta mère. Ouais.
Ouais, je le dis. Franchement, je le dis aujourd'hui. J'ose le dire. Nique ta mère, le jeu. Ça suffit. Non, franchement, ça suffit. Ça suffit. Allez, Ludocario. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est gagné. Ah, allez, forte pomme dans ta mère. Oh, change éclair, ça va être violent, ça, je pense. Il va changer de Pokémon et tout. Allez, casse-toi. Bon, bah bravo, hein, évidemment, c'était extrêmement simple de fumer cette dresseuse. J'ai essayé de me mettre, en gros, des petits bâtons dans les roues, faire un truc sympa. Mais il y a que des bugs dans le jeu, là. Paralysés, eux, ils sont jamais paralysés alors qu'ils sont paralysés. Moi, je suis paralysé, je peux plus attaquer. Franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je suis ébloui, tu as dépassé mes espérances, tu as du style et ta technique. C'est le rêve, c'est la fièvre, j'aime. Tu as bien mérité ceci. Merci à tous. Merci à tous, mesdames et messieurs. Nouveau badge directement in the pocket. Et il apparaît en bas. Boum. Et là, on est bon. Le badge Volt d'Inesia. Bien sûr, merci Dex pour ton 8e mois. Merci beaucoup. Merci à Fimon, merci à Neverian aussi. Merci. Neverian, je vais remercier. Bon, on est bien là. On est très très bien. Et bon, attendez pour le bet. Je peux vous mettre. Fin du bet quoi. On va choisir la réponse. Ah bah ça a été fait. Ça a été fait. La réponse était oui. Bien sûr. Donc vous allez gagner vos petits points quand même. Elle va me donner change éclair, je suppose. Ouais. Bah, je me doute bien que c'est sa capacité préférée. Change éclair. Change éclair, cette capacité permet de changer de Pokémon après avoir attaqué. Bien sûr, le changement ne fonctionne que s'il te reste au moins un autre Pokémon valide. Bien vu, l'aveugle. Donc ça, c'est les meufs que j'ai massacrées. Il y a ma teuté là derrière. Vraiment, une grosse tignasse, hein. Vraiment le contraire de moi, quoi. Fabuleux. Eh bien, oh! Un instant. La sortie se fera ensemble. Oh, j'en ai des frissons. Oh, arrêtez. Bravo, Chibrax, Chibrax. Oh, step bro. Les dresseurs sont des stars à leur façon. Et tu as tout ce qu'il faut pour décrocher tous les badges et ouvrir la ligue. Alors tes Pokémon, toi, vous rendez tout le monde jaloux. Vous resplendirez, ouais. Bon, allez. Fous-moi la paix. Snap fuck. Parfait. Nouvelle arène complete. On va pouvoir les soigner tout le monde et remettre. Bon, en vrai, on a les mascaillements en premier, ça me va. C'est Moustillon aussi qui devrait prendre un peu son level. Pour. Bah, parce que c'est quand même bon, mon Moustillon en forme de galard. On a envie que ça devienne un gros porc, si tu vois ce que je veux dire. Allez, c'est bon. Là, je trouve que ça va. C'est plutôt équilibré au niveau de mon équipe en termes de leveling. Globalement. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop. Là, on a Aldeke 25, on a arrêté un peu Ludocario à 28, et bah voilà, 25, 25, 23, 28, il va falloir quand même pex un peu parce que mine de rien, là, il était niveau 30 le bordel, donc un peu relou. Ah, petit cherche objet, où, là, ok, il est derrière, je l'ai, 100% il est là, hop. Je suis trop fort. Une pierre foudre. Énorme. Donc c'est good. Est-ce que... Oh mon dieu, c'est Xari les amis. Minute, vous faites quoi là? Je suis Xari. Rien de spécial, on admirait la vue. On te retourne la question. T'as un problème? Vous faites rien? Mon œil, hein. Sale voleur de Pokémon. Je vous pardonnerai jamais. Numérotez vos abattis. Quoi? Parce que j'ai grave la haine là. Eh bien, les dresseurs sont pas commodes de nos jours. Bon, on a rien contre toi, mais tu mérites d'être remis à ta place. On va t'apprendre la politesse, vite fait, bien fait. Oh fuck. Snap fuck. Gigi, je compte sur toi. Non. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ouais, on va tracer. J'ai envie de voir si je peux quitter un peu tout ça. Je compte sur toi, le mec s'en va. Ouais, je vais aller faire d'autres dresseurs moi. Je vais aller faire d'autres petits dresseurs, mesdames et messieurs. Non, mais je passe un meilleur moment là.
Ah, c'est un éleveur, c'est un connard qu'on va devoir rencontrer à chaque fois, c'est ça? Et un rototop, évidemment. Évidemment. Petite morsure. Hop, morsure, et c'est terminé. Ah, c'est contrôleur, c'est pas éleveur. Ah, j'ai lu éleveur. Bah écoute, tant mieux alors. Et écoute, ça me va parfaitement, on ne le rencontrera plus jamais. Ça dégage. On a rien. Attends, oui, voilà, je me souviens qu'ici il y avait un truc avec force. Attends, je peux pas lui parler. Là, tu peux pas leur parler si t'es de dos dans ce jeu. Faut vraiment te mettre devant, quoi. Même en spamant, ça marche pas. Ok. Cycliste Larry, écoute-moi bien, Larry, je vais t'arracher. Bon. T'as envoyé un colombo, t'as de la chance. Connaissez ma femme? Petite morsure. Et on sera bien. Merci Jojo51, merci à toi pour le sub, le tier 1, my friend. Ah bah, mais cher quand même. Bon, on va quand même aller les Exari, hein. Parce qu'on troll, on troll, mais le pauvre là, il... là, dans la réalité véritable, il est en train de se faire casser la gueule, quoi. Il se fait monter en l'air, le pauvre. Allez, je filoche. Nickel. Je vais repasser au centre Pokémon quand même parce que on va manger chaud. Et on va filer un coup de main à ce pauvre Xari qui se fait malmener qui est en pleine Hagra. Voilà. Ouais, 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 on va soigner. On va soigner quand même. Et bientôt l'évolution, ouais. 3 niveaux, je crois. Et attends, il est 25 ou 26 26 26. 3 niveaux. Et un petit escroc. En vrai, je pense qu'on peut clore cette VOD quand on aura passé escroc, mesdames et messieurs. Merci, le Vulcano, pour ton prime. Bon, en vrai, j'aime beaucoup la musique, mais là, commence à me casser la tête. Ok, bah c'est parti, alors. Et je préfère vraiment leur costume maintenant, hein, la Team Plasma, parce que... Avant là, quand ils étaient en Montjoie Saint-Denis, c'était cauchemardesque. Oh, Miradar! Oh là là, l'onde folie! L'onde folie, mesdames et messieurs! Oh non! Il est devenu dingue! Et chier. Oh là là, mais il me met tout dans le petit, gros. On va lui mettre une forte pomme. Ça va le calmer, je pense. Putain, mais ça frappe. Attends, Miradar. Je me souviens qu'il nous avait surpris lors de notre découverte de la 5ème génération. Mais là, quand même, c'est déjà de me respecter. Voilà le bouffon. Oh, c'est bien ça, charge os. Alors, on va aller voir. 25, le frappeur 2 à 5 fois. Ah, c'est 2 à 5 fois. C'est bien ou c'est un peu aux F? Oui, j'avais pas vu qu'il avait fait Croc Fatal, c'est le cas, ouais. Trop bien, charge os, ok. Eh bien, on va enlever. Franchement, j'enlève Riposte. Riposte, j'utilise jamais. Voilà le Fombs. Voilà, ça dégage. Oh non! À mon tour! Oh, je suis le méchant! Ah, mais du coup, là, il est en train de sleep, de full sleep, mon moisquillement. Il est vraiment en train de dormir comme Jaja. Aldego! Ah, il est en full sommeil. Est-ce que je le tente quand même? Ça va pas me faire beaucoup de dégâts. C'est ok. Vas-y, réveille-toi, réveille-toi. Ah, Aldé, pitié, lève-toi. Aldé, c'est ton moment de briller. Vas-y, lève-toi et t'attaque. Non. Écoutez, on va peut-être changer de Pokémon. Ah, il se réveille, ça y est. On y est.
Allez, tu lui mets la trouille. Oh, le bélier. Bah, c'est mort, c'est fini. Voilà, le bélier, ça pardonnera pas. Chier, putain, il va pas prendre d'XP, ça dégoûte. On va la donner à Moustillon. Ouais, je voulais juste le... Une petite intro charge. Je voulais juste lui mettre un... Comment ça s'appelle? Le fair flinch, quoi. C'est pas passé. Je me disais, si avec le beau jeu, je réussis. Pas de beau jeu. Faudrait dû faire tunnel, comme d'hab. Ça lui aurait cassé la gueule. Ouais, tunnel l'aurait, ouais, ouais, je pense. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un peu trop beau jeu, moi, j'ai l'impression. Se faire battre par deux moucherons, c'est dur à avaler. Mais bon, les petits prodiges méritent bien une petite récompense. C'est les mecs, on se déteste. Ils nous chient à la gueule, mais ils nous donnent des récompenses quand on les bat, quoi. Et ça, c'est beau. Vous n'imaginez pas. Alors, heureux de savoir ça. Au plaisir. J'ai pas lu ce qu'ils ont dit. Heureux de savoir ça. Aucune idée de... Même merci. Il y a 5 ans... Oh, ils parlaient peut-être de haine, le maudit. Il y a 5 ans, ma frangine s'est fait voler le chakripan qu'on lui avait offert. C'était sa sœur. À cette époque, j'étais qu'un gamin, j'ai rien pu faire. Je m'en suis tellement voulu, mais j'ai juré que je prendrais ma revanche. Bah, en tous les cas, chapeau pour cette rousse qu'on leur a mise. T'as du talent. C'est pas tout ça, mais... Voilà, je te soigne. Tout est clair pour toi? Tu remplis ton Pokédex et tu t'améliores pour pouvoir m'aider? Je compte sur toi. Merci, Xari. Franchement, waouh. Waouh, Xari a un background dans le jeu. Je suis assez... Je suis vraiment assez surpris, quoi. Oh, la vache, quoi. L'aventure Spider-Man, c'est le lundi, Spider-Man, mon cher ami. Ah, le jeudi, c'est Pokémon. Le lundi, c'est Spider-Man. Le vendredi, c'est le React. C'est beau. Pourquoi je vais là Pourquoi je vais là alors que je n'en ai pas besoin? On peut continuer un petit peu à droite, gauche. On va repartir en bicyclette. Ah, bicyclette. Alors, est-ce que c'est droite ou gauche? Est-ce que c'est fermé de ce côté-là? Non, je peux y aller. Putain, mais c'est vrai qu'on est en full roulibre. J'ai l'impression que je peux aller où je veux. Et ça, c'est beau. Bianca. Eh oh. Tu tombes bien, j'ai un truc pour toi. Oh, merde. La CS de vol, d'accord. Alors, c'est cool, c'est super sympa, mais j'ai pas de Pokémon vol. Tu connais les trouées cachées? Non. Ah bon, alors écoute bien, parfois entre les arbres tu peux trouver des... Ah oui, d'accord. Attends. Attends quoi? J'ai entendu quelque chose? J'ai l'ouïe très fine, alors je suis sûr de moi. Viens voir. Arrive, elle est pas bien ou quoi? Elle est pas nette là? C'est là. Ah, c'est les cabanes! Oh là là, oh là, oh la mamacita. Non, ah non, c'est un Pokémon. Un Pokémon! Ça doit être un sacré Pokémon pour se cacher dans un endroit pareil. Stablo? Quelle découverte, quelle super top découverte. On devrait fouiller les autres arbres. D'accord. C'est quoi? Un chien chidou. Ouais, super. Trop trop heureux là. Bah ça fait plaisir. En fait c'est juste, c'est pas les cabanes pour faire ses décors et tout. C'est juste un truc où il y a des Pokémon dedans, c'est ça? C'est tout canon. Franchement c'est tout claquosse, hein. J'ai des Pokémon de fou dedans. Ouais, ah ouais, bah là, ah bah là, ça parle de lui-même, quoi, c'est, je veux dire, là, waouh, le Pokémon de malade, gros. Y'a Dracolos dedans à 3%, non, tu trolls. Et là, si je retourne dedans, y'a un autre Pokémon ou pas? Non, d'accord, ok. Oh la vache. Et du coup, comment je le remarque, c'est quand il y a une espèce de buisson entre quatre arbres là, parce qu'on voit que c'est plus foncé au milieu, comme s'il y avait ils avaient foutu un autre arbre dedans, quoi.
C'est ça en fait, la base. 3-0. Ah ouais, vraiment? Par contre, c'est dinguerie. C'est un banger. Il y en a souvent, il y en a beaucoup. Alors attendez. Je vais aller soigner tout ce beau monde parce que là, il y a des dresseurs. Voilà, dans les zones post-league, évidemment. Comment ça, dans les zones post-league? Ah, pas n'importe où non plus, le Dracolos. Ok. Il n'y a pas de possibilité que je l'ai ici. Mais non, ils sont pas soignés. Je viens de me battre contre Chinchilou. Regarde, il a pris sa part, le pauvre Aldé. Tu en penses quoi du rival pour une fois qu'il n'est pas casse-couille? Bah franchement, en fait, au niveau de l'histoire, c'est vrai que c'est bien plus sympa, c'est bien plus prenant, c'est une suite directe, donc c'est cool. Toi, tu connais les événements qui se sont passés, qui citent à chaque fois, parce que bah tu l'as fait juste avant. Et c'est vrai que le rival est pas chiant, Xari est pas relou. Il vient, à chaque fois que tu le rencontres, c'est pour casser la gueule des mecs de la team Plasma. Moi, franchement, je valide. Hein. Je valide à 100% là. C'est du pur banger, quoi. C'est très sympa pour l'instant, ouais. Bravo Kazumé, encore une fois t'as les mots justes. Ok, route 5. Mais je m'en fous de TB, qu'est-ce que tu me racontes? Non mais non. C'est me refourguer CB l'autre. Ok. Oh, mes Pokémon sont dans le pétrin, lol. Allez, boulangère Maïka. Allez, mon petit masque à aimant là. Il faut qu'on le fasse passer son level 29 pour devenir escroco. Il lui en reste pas beaucoup. Un 3 niveaux. Oh, le coup critique. Ça se grignote, ça. Par contre, ça donne pas des masses. Hein. Je pense d'XP. Un tour de grain. Ouais, 230, évidemment. À Pitrini, on va garder aussi. Comme pour Noir 1, le endgame de ce jeu est insane. Ah ouais, c'est vrai que Noir 1, il est déjà assez profond. Mais je me pose vraiment la question de... comment ils font avec la même map, tu vois? Il n'y a que le tout début où t'es en effet en bas à gauche, un truc que tu découvres et tout. Et là, j'aime bien les petits ajouts, c'est pas la même arène, on te donne des infos de pourquoi, ou alors ils ont été modifiés, ou alors ils ont créé une autre arène. Franchement, j'aime bien cette manière d'aborder au final une map que tu connais, mais différemment. Et ça, c'est cool. Y a pas de Nobetiès dans le coin? Bah, normal, il y en a partout des Nobetiès. Oh, jure, Eddie Gordo. Il n'y a pas de... les Nobetiès, normalement, ils sont partout, quoi. Ils se laissent porter, hein. Alors, Baggy Guan, évidemment. Alors, évidemment, bonjour à tous. Avec El Famoso Inspector. C'est vrai qu'on n'a même pas... En plus, on n'a pas tout terminé du endgame, parce que, vous savez, on avait les sages à récupérer et tout, et j'étais en mode, bon, au bout d'un moment, en flemme, on va pas tout faire non plus. La vache. Donc on a Liv... Mais c'est vrai que c'est vraiment très complet, quoi. Voilà, Baggy Guan. Il fait plus beau, là. Il avait qu'un Pokémon ou deux? Un petit 500 d'XP. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Ça se grignote, c'est pas énorme. Ah, Thème. Ok. Ok. Y'a pas des dresseurs là qui veulent se la donner là? Donc ça, s'il y a autant de man ici. Ok, ça marche. Et ça s'appelle le combat rotatif, tu vas en savoir plus, ok? Voilà, tu te bats avec trois Pokémon en même temps, un Pokémon prend le devant, les deux autres restent en arrière, et il est possible d'échanger leur position à chaque tour, voilà en gros. Je suis le Play Bad Boy, aussi connu sous le nom de Raphaël. T'es un dresseur, vas-y, bah allez, let's go. Je suis toujours chaud, gros. Le Play Bad Boy. Il a une belle moto. Hein. Le man est chaud, quoi. Attendez. Ok. Ah oui, la rotation, là, ça y est, je me souviens. Bah là c'est chiant en fait, parce que c'est Cryptero. Putain, il est relou, 26-26. En vrai il est chiant le man. J'ai à la tête Ludocario. On va prendre Ted. Hein. Attends, mais comment on fait la rotation? Ah oui, d'accord. On va faire éclair.
c'est ça. Ah putain. Il m'a bien eu. En vrai, je peux... En fait, là, c'est parfait. Parce que ça baise tous les Pokémon. Ils sont tous vol. Ouais, mais voilà, tu t'as fait une erreur, hein, frérot. Tu peux changer à chaque fois, mon ref. Ça ne sert à rien. Oh, j'avoue que j'avais changé Claire, bien vu. C'est vrai que je lui ai pas mis sur Ted. Vous avez totalement raison. Oh là, ouais, l'XP par contre, elle est pas cadeau. Enfin, en vrai, on va tout faire avec Ted. C'est vrai que c'est sympa ce système de combat. Ils ont jamais essayé de faire des compètes avec ce système de combat où t'as les trois avec les rotations et tout. J'aime bien moi ce truc là. En fait, ça demande de l'anticipation, du brain, faire croire que tu vas sortir tel ou tel Pokémon, avoir plusieurs types. Je trouve ça cool quoi. Si, mais c'était nul. Ah ouais? Oh putain. C'est bizarre parce que quand tu le joues et quand tu le vois, tu te dis que ça a du potentiel quoi. Je trouve ça con quoi. Ça demande un minimum de réflexion. En compétition, ça peut être cool, je trouve. Après, il faut voir avec les mecs concernés quoi, qui sont chauds en compète et qui peut-être vont te dire bah c'est à chier. Pourquoi il est pas mort? Vraiment, il nous reste 1 HP, je suis abattu. Je fais cage éclair parce que... Ah merde, mais non, je suis con, je croyais qu'il allait changer. Oh, je suis à éclair. Ah, bizarrement, putain. Oh là, Raphaël, par contre, hein, va chicoter. Hein. Ouais. C'est chiant comme Pokémon. Quel enfer. Oh la roulade. C'est le moment d'utiliser roulade, mesdames et messieurs. Et boum. Et ouais mec. Putain, j'avoue, j'aurais dû prendre Moustillon dès le début, j'aurais stacké la roulade. Quoi les dégâts? C'est vrai, j'avais oublié que oui. Effectivement. Et ça dégage. Oh là, le dé qui prend beaucoup d'XP ici. Et c'est tiré. Alde qui prend son 28, hein, je pense. Non, même pas. Putain. Il ne le prend pas, mais c'est tout comme. Ça se joue à rien. La vache. Je pensais t'apprendre un truc, mais c'est moi qui ai reçu une leçon. T'as du potentiel, je te dis. Si on comprend pas les Pokémon, on peut pas gagner. Il nous a ouvert la voie. Je suis le Play Bad Boy. On s'est connu sous le nom de Raphaël. Filé comme le vent sur ma moto, c'est tout moi. Je suis un bad boy. Ok, super. Ouais, bah écoutez, quel amour, bien bien quoi. Donc, mais tout le monde a pété un plomb là. C'est bon, on l'a fumé. Ah, j'avais zappé. En vrai, on a notre Mascaïman qui n'a pas joué, donc il est full life. On vous aide d'aller soigner là pour l'instant. Oh, chachidou et chachidou. Oh, bébou, deux petits chachidou. C'est mignon ça. Je vais les arracher. Aldé, on va le mettre tranquillement sur Shinshidou. Et toi, une petite forte pomme directement ici. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Et boum. Tu dégages. C'est très bien. S'il avait pris son 28, ça aurait été la même. De quoi ça aurait été la même quoi? Machouille. Ah, 80 à la place de mention. Hein. Évidemment. Je sais qu'il est voulu 29, c'est juste que ça aurait pris. On aurait gagné un petit peu plus de temps. Oublie pas de changer clair. Ouais, pour Ted. Bon, après, il est dead. Hein. Il est dead by daylight. Oh non, mais ça va toucher évidemment les deux. Météor, ça touche pas les deux? What the fuck, bro? Comment ça se fait que ça a pas touché. Il a pas fait Météor? Ou alors j'ai rêvé. Je sais pas, j'ai cru qu'il a fait Météor et il a pas fait Météor. Normalement, Météor, on est d'accord que ça te touche, peu importe si t'es dans les airs, sous l'eau ou partout. Ah bon? Bah techniquement, si, ça touche partout.
Je sais que je suis en tunnel, mais justement, c'était pas le principe de Météor de toucher, peu importe si t'es, c'était un double tour à tour. Putain, mais alors j'ai dû rêver, moi. Vous êtes sûr? Putain, mais pourquoi j'y crois dur comme fer, là? C'est bizarre. Le point Yolève, ouais. Dans ma tête, je suis en mode, ce n'est pas normal. Même si je suis dans le sol. Avant, ça marchait. Ah ben, merci! Non, mais je trouve qu'on essaye un peu trop de me faire passer pour un gogolito, là, moi, à chaque fois. Avant ça marchait, c'est sûr que ça marchait. Moi j'ai souvenir de tu fais des tunnels, tu prenais des météores dans ta mère. Dans la vieille version ça marchait, bah oui, bah voilà. Ah bah désolé, bah les gars, je vous l'ai dit, j'ai 30 ans. Qu'est-ce que vous voulez? Dans les airs mais pas dans le sol. Ok, on va partir vite fait à droite et on va voir notre escroco. Ah oui, parce que la VOD fait déjà 1h20. Mais quand on aime, on ne compte pas, vous savez, c'est un petit bonus que je vous donne ici. Je vous permets de grignoter ces minutes supplémentaires. Alors, on parle à un expert Pokémon, évidemment. Enfin, s'il vous plaît. Attendez, je ne suis pas n'importe qui. Je suis un expert en Pokémon, notamment de génération ultérieure. Et alors, je connais, alors, je suis imprenable sur les types Pokémon, je vous l'ai déjà dit. C'est parti, les supporters. On va les arracher, hein. On voit qui Bagiguan et Bagiguan, ok. Donc c'est chaud mais on va essayer de s'en sortir là. Double Bagiguan, ok, yo 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 Bagiguan. Allez, un petit tunnel. Et lui on lui met un petit Oh, j'ai envie de tester charge os là pour voir un peu là, ce que c'est donne. Et boum. Et boum. Et boum. Encore. Oh la vache. On a touché 3 fois. Je suis abattu. Je suis abatted. Oh, le casse-brique qui va faire 0 dégâts. Mort. Évidemment. Oh là là, bien sûr. Oh, ils ont un impudence aussi. Je suis déjà aldé. Je vais faire noir 1 ou noir 2. Bah écoute, j'ai toujours pas fini le noir 2. Donc je me prononcerai une fois que tout sera terminé, évidemment. Attends, on est pas des bêtes, hein. Et boum. Oh, le casse-brique. Ah, putain, putain. Ça a fumé tout le monde, le man. Putain, je vais devoir aller re-soigner. Putain, c'est chiant. Là, ça commence à être long. À faire des allers-retours de con, ça commence à être pénible. Cogner la gueule. Oh putain. Ouais, si est faible face à combat, je sais. C'est prudence, pardon. Oui, j'ai dit impudence sur l'homme, je suis fou. Mais moi-même, j'oublie mes propres conseils. Je suis cauchemardesque. Et c'est reparti pour aller soigner. Ah, la pauvre petite équipe qui se fait casser la gueule à chaque fois. Comment ça est temps? Juste envie que ça devienne un escroco, mesdames et messieurs. Un superbe escroco. Hop, on y est. C'est cool. Ah. En strat, Harry a peur de toi. Oh, je sais, sans vouloir faire le mec, il y a beaucoup de gens qui ont peur de moi. Quoi. Voilà. Je sais pas, Harry Potter, je sais pas qui. Pff, rien à foutre, frère. Moi, en stratégie Pokémon, je suis imprenable, injouable. Il n'y a pas un mec, je pense, ici qui fait le beau avec moi. Vos gars là, les malins, pff, j'arrache le serveur. Merci MG Snakes, merci pour le 17e mois. Ok, parfait. Harry Plotter. Monsieur Plotter. Il a mis changer clair. Ouais, je l'ai mis. Je l'ai mis juste tout à l'heure. Parfait, top top. Tip top là, superbe. Excellent. Alors attendez, je vais chercher, je vais tester le tourbissable. Voilà. Aïe, la queue poison. Superbe. Voilà. Et maintenant, avec assurance pour voir. Ça marche pas en fait. C'est de la merde, assurance. Aïe! Ça marche comme ça, assurance? C'est genre...
Tu lui mets un truc qui prend des dégâts continu et tu vas faire plus de dégâts, ou j'ai mal compris le bordel? Putain, il a pas pris tout XP, il a pas pris tout XP, il a pas pris tout XP. Est-ce qu'on a un autre dresseur? Non, il y a un dresseur là-haut, je vais y aller. Ah merde, je peux passer là? Ouais, attendez. J'ai la flemme de retourner au centre Pokémon, donc on va juste prendre une petite petite potion, quoi, une petite popote. Voilà, ça suffira. Assurance marche quasi jamais en solo. Ouais, j'ai mal compris alors. Parce que... Non, c'est pas que j'ai mal compris, j'ai compris, mais à l'envers. C'est-à-dire que c'est le mec doit se faire toucher pendant le tour. Et moi, c'est à la fin du tour qu'il se fait toucher, donc ça marche pas. Donc ça peut pas marcher en solo, en fait. Assurance, ça marche que si t'es en combat double. Et que tu joues après en combat double. Il attaque un Pokémon qui est à gauche, par exemple. Et moi, je joue après avec assurance, et là, je ferai plus de dégâts. C'est pas ça? Ou alors j'ai vraiment pas compris quoi. J'ai vraiment concomitable. C'est si toi tu te fais toucher. Ah bon? Ouais non, c'est si le mec s'est fait toucher. Donc c'est bien ce que je disais en duo. Ok, très bien. Merci, merci Paul. Merci Lost Mayhem pour ton prime. Ah 25, il a un Miradar. Aïe 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 aïe. Ah ma chouille pour voir mais. Est-ce que je le flinche ou pas? Oh, l'onde folie. Oh, c'est une onde folie! Je le tente, les gars, parce que je passe le level. Et si je swap, je passe pas le level, je le tente. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Superbe. Bien joué, Aldé. Bravo, Aldé. Bravo, Aldé. Bravo, Aldé! Prudence. C'était le, c'est le 1 que j'ai fait il y a quelques mois, mon cher ami. Parce que quelqu'un dit, tu l'avais pas fait le jeu il y a plusieurs mois? Non, non, on a fait, c'est vrai, on a terminé avant août la version noire. Mais là, c'est la version noire 2. Donc, c'est pour ça que vous allez retrouver quand même quelques décors. Mesdames et messieurs, ça y est, nous y sommes. Mascaïmon, Aldé, damn les gens qui se transforment à vue d'œil. Et nous avons notre, notre escroco. Et ça, c'est beau. Ça, on applaudit, évidemment. Et tu es... Parce que, bon, 1h27 de VOD, les gars. On a fait durer le suspense jusqu'au bout. Et il est qu'à sa première phase vers sa final form, mesdames et messieurs. Voilà, c'est devenu escroco. Et ça, ça régale. Les stats vont être absolument gargantuées. Est-ce qu'on se fait attaquer directement par un petit chinchidou? Bon, vous savez quoi, on va aller au centre Pokémon, on va aller soigner tout ça, on va sauvegarder là-bas et ce sera très très bien, ce sera fabuleux. Putain, là, il pète la classe. Par contre, c'est vraiment un Pokémon très stylé. Moi, j'ai adoré un Rototop et tout. Mais bon, déjà le nom. Mais visuellement parlant, quand même, soyons honnêtes que quand même plus stylé d'avoir un crocorrible, un escroco. Ouais. Non, mais je suis d'accord. Je vois des crocoribles supérieurs à Minotaur. En tout cas, en termes de flow, c'est sûr. Ah oui, non, mais j'ai déjà vu crocoribles, puisque on est tombé dessus, évidemment, dans la version précédente, plus on avançait. Donc, il a pas mal évolué. Et c'est un Pokémon que je trouve, mais tellement stylé. Donc, bien content de l'avoir pris d'avoir pris cette décision sur celui-là. Sa sauvegarde, mesdames et messieurs, ici. Merci à tous d'avoir suivi cette partie numéro 6 du Let's Play Pokémon version noire 2 qu'on fait, mais dans la joie et la bonne humeur. Tout se passe très bien pour l'instant. Aucun souci. Notre équipe se constitue petit à petit. On s'est pas pressé à faire ces 6 Pokémon. Par contre, en effet, après le malheur qui nous est arrivé il y a quelques heures, mais toujours pas de Pokémon de type vol. Donc, on va voir sur quoi on part, parce que mine de rien, ça va être assez important. Il va nous falloir voler grâce à la CS au bout d'un moment. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas le like, le commentaire, de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut! Clin d'œil.